Soyez les bienvenus en ce grand matin de Pâques. Alors ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, un jour de grande joie. Alors à chacun et chacune de vous, de très joyeuses Pâques. Heureux sommes-nous de nous rassembler, de nous retrouver ensemble en communauté chrétienne pour célébrer ce grand événement de la résurrection du Seigneur. Et c'est avec joie qu'ensemble, nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité soit toujours avec vous. Amen. Et avant de prolonger notre action de grâce, nos chants à la gloire du Seigneur, eh bien demandons au Seigneur d'abord de purifier nos cœurs par son pardon. Seigneur Jésus, tu vis dans la gloire à la droite de ton Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à vivre pour les réalités d'en haut et non celles de la terre. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous promets la vie éternelle auprès de toi. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il fasse de nous des êtres nouveaux et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Et ensemble, chantons la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit, « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien, et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins.
de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. De Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous allons maintenant lire la magnifique poésie ancienne, cette séquence de Pâques que vous retrouvez dans votre priant à l'église à la page 117. Alors le lecteur lira la première et la dernière strophe
Notre Alléluia de Pâques, intégré à la séquence, exprime la grande joie de Marie-Madeleine et la nôtre. Nous nous mettons debout, c'est l'attitude des ressuscités. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Madeleine, qu'as-tu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, chers amis, c'est la joie de Pâques que nous célébrons en communion avec tous les chrétiens du monde entier. Nous célébrons la plus grande et la plus importante des fêtes chrétiennes, la fête par excellence, la fête des fêtes, Pâques. Et cette fête est si importante qu'elle va se vivre pendant 50 jours, jusqu'à la Pentecôte. 50 jours à nous émerveiller devant cet événement étonnant et divin qu'est la résurrection de Jésus. Et pendant ces 50 jours, brillera comme aujourd'hui le cierge de Pâques, qui est le signe du Christ vivant au milieu de nous. C'est un grand événement. Et si quelqu'un nous demande de lui donner des preuves solides et scientifiques de la résurrection de Jésus, nous lui répondrons qu'il n'y en a pas. Notre foi n'est pas fondée sur de telles preuves, mais bien plutôt sur des témoignages, et des témoignages crédibles. Ces témoignages sont nombreux. Les plus précieux pour nous sont ceux qui nous sont transmis dans les Évangiles et les autres livres du Nouveau Testament. Et le récit de Saint Jean que nous lisons ce matin met en scène des personnages qui réagissent différemment devant le mystère du tombeau vide et qui témoignent des différents niveaux de foi que nous vivons nous aussi. Alors Marie est la première à arriver au tombeau. Et Saint Jean nous dit qu'elle s'y rend alors qu'il fait encore sombre au premier jour de la semaine. Alors ce détail est important. Il fait référence au tout premier verset du livre de la Genèse et à l'état primordial du monde avant l'activité créatrice de Dieu. La terre était informe et vide. Si le livre de la Genèse, c'était les ténèbres. Alors ce premier jour de la semaine où Marie se rend au tombeau est donc présenté comme le premier jour d'une nouvelle création qui commence aussi dans les ténèbres où se manifeste la puissance de Dieu et où s'établit son projet pour l'humanité. Alors Marie est celle qui ne voit pas et qui ne croit pas, sans même regarder à l'intérieur du tombeau, elle saute aux conclusions et annonce aux autres disciples que le corps de Jésus a été volé. Sa peine la rend aveugle et la porte à imaginer le pire scénario possible. Pierre est celui qui voit, mais qui ne croit pas encore. C'est un personnage pragmatique, entier et fonceur. Il est le premier à entrer dans le tombeau, malgré le fait que Marie et Jean y soient arrivés déjà. Il voit les signes de la résurrection, mais n'en tire aucune conclusion et va s'en retourner ainsi chez lui. Son manque de connaissance, ne sachant pas que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter d'entre les morts, le rend aussi aveugle. Le disciple que Jésus aimait, Saint Jean lui-même, est celui qui voit et qui croit. Sans même avoir tout compris de l'Écriture, il se souvient des paroles de Jésus. Et son regard est éclairé et optimiste. Et
ce qu'il voit est très important, ce dont il témoigne. Les linges qui sont restés là, bien en place, rien n'a été touché. Saint Jean le dit cela. Et dans la version grecque de son évangile, les mots sont très clairs pour dire que le corps a été volatilisé, que rien n'a été touché. Alors, c'est ce qui est exprimé ici quand on dit que les linges sont restés à plat, que le suaire était bien en place. Alors ça, c'est un détail important que Saint Jean sait voir. Alors, il est le modèle du disciple parfait. Il vit et il crut. Alors, c'est donc trois types de croyants qui sont mis en évidence à travers ces trois personnages. Et je dirais qu'il y a un quatrième type de croyant, celui qui ne voit pas mais qui croit. Saint Jean adresse son évangile à ceux-là qui n'ont pas vécu directement les événements de la mort et de la résurrection de Jésus. Et il souhaite qu'ils puissent en arriver à la foi, à croire sans voir. Alors, qui sont-ils? C'est nous. C'est nous aujourd'hui. Les disciples, nous le comprenons bien, n'ont pas vu la résurrection. Ils ne sauraient décrire ou inventer un prodige semblable. La résurrection, comme Dieu, est une réalité qui dépasse tout entendement et qu'on ne pourrait décrire ni expliquer. Aucun disciple n'a vu. Mais tous les disciples sont radicalement transformés par cet événement. Et c'est de cela que témoigne fondamentalement le Nouveau Testament. Bien que les réactions initiales soient des réactions d'incompréhension, elles finissent par déboucher sur la foi et sur un agir nouveau. Cela change la vie. Mes amis, l'action du Christ dans nos vies est souvent comme la résurrection. On ne la voit pas directement et on ne la comprend pas sur le coup. C'est plus tard que l'on arrive à comprendre, à reconnaître bien souvent, à l'aide de la parole de Jésus, qui nous donne de discerner sa présence à la lumière de la foi. Le pape François nous dit: aujourd'hui, nous sommes invités à redécouvrir et à accueillir avec une intensité particulière l'annonce réconfortante de la résurrection. Si le Christ est ressuscité, nous pouvons regarder chaque événement de notre vie, même les plus négatifs, avec des yeux et un cœur nouveaux. Le Seigneur crucifié et ressuscité est la pleine révélation de la miséricorde présente et agissante dans l'histoire. Chers amis, considérons la grandeur de notre baptême qui nous unit au Christ mort et ressuscité. La foi reçue de Dieu comme un cadeau est en nous cette lumière à laquelle nous devons éclairer, nous éclairer, pour voir la vie autrement et vivre aussi la vie autrement, dans cette espérance de marcher vers le royaume de Dieu qui nous est promis. Oui, en ce jour de Pâques, affirmons avec foi, Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Nous allons professer la foi de notre baptême ensemble et nous allons le faire à partir de la formule que vous avez en page 93. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Et tous ensemble, prions maintenant avec ferveur. Par l'intercession du Christ Jésus élevé dans la gloire, implorons Dieu, le Seigneur, et disons ensemble, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que la foi en la résurrection du Christ ne cesse de grandir dans le cœur de ses disciples partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Église continue avec joie et courage de témoigner du ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les cœurs s'ouvrent au sort des personnes démunies, seuls, rejetés, violentés, méprisés ou désespérés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que partout sur la terre, la nouvelle de la résurrection de Jésus soit proclamée et accueillie et qu'elle aide l'humanité à vivre dans la paix, la justice et la fraternité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes demeurent unies dans l'amour du Christ, en signe de sa foi en la résurrection, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous pouvons présenter également au Seigneur toutes nos intentions particulières dans le silence de nos cœurs. Accueille nos prières avec bienveillance, ô Seigneur, et guide-nous sur la route qui conduit à la résurrection bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
maintenant prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, la gloire de Dieu et le salut. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Et c'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gérald, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous pensons tout particulièrement à M. Lionel Veilleux, pour qui cette messe est offerte ce matin. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Geneviève et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est avec confiance, toute la confiance de nos cœurs, qu'ensemble nous reprenons la prière de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. De l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Dieu, ne laisse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par la lumière de la résurrection, par notre Seigneur. Amen. Avant de donner cette bénédiction solennelle à la fête de Pâques, aujourd'hui, on va pouvoir faire un don pour. Alors, vous avez peut-être des enveloppes à cet effet. Merci beaucoup. Je voudrais vous signaler aussi qu'à l'arrière de l'église, en sortant, eh bien, les jeunes et les gens. On veut le souligner de cette façon-là. Merci. Je voudrais remercier sincèrement pour notre Eucharistie. Alors, monsieur, vous accueille toujours à la porte de l'Église. Soin de nous, les personnes qui interviennent tout au long et qui assurent aussi tout le décor. Cette orale sous la direction de M. Luc Letourneau et M. Marc. Merci. Accueillez maintenant cette bénédiction solennelle. Vous reprendrez Amen après chacune des parties de cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qui est pour la vie éternelle par la de la passion du Seigneur, vous, Pâques, prendre part en exaucement. Le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen.